sommes samedi 10 décembre, donc il est 8h moins 5. Je vais partir d'ici 5-10 minutes. J'ai passé une assez bonne nuit, franchement. J'étais toute seule à dormir avec Yara, vu que mon conjoint était en déplacement. Du coup, on a vraiment bien dormi. J'ai remis des boucles d'oreilles. Ce matin, on va voir si j'arrive à tenir toute la journée avec. Il y a Monsieur Mimi qui est là. T'es pas venu dormir à la maison cette nuit, toi? Non, t'as dormi dehors? Oui, il a dormi dehors, mon chat. Donc voilà, aujourd'hui je fais 8h15, 9h30, 10h midi, midi et demi, 13h30 et ce soir 18h30, 19h30. Donc voilà, ça va aller. Cet après-midi, je vais chez ma grand-mère rejoindre mon oncle pour enlever sa moquette dans sa chambre parce que ça devient dangereux quand même pour une personne âgée. D'avoir juste de la moquette dans une pièce, elle peut se prendre les pieds dedans et puis même la poussière et tout ça. Donc on va aller lui enlever ça cet après-midi. Donc voilà, je vais pas traîner parce qu'il faut que je parte travailler après. Nous allons ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai dit qu'on était le 10. Nous avons... Je pense que c'est un bracelet couleur or et beige un petit peu. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Bon, il a l'air mignon, hein. Mais moi, enfin personnellement, quand j'achète un calendrier de l'Avent Sephora, c'est pour avoir surtout des soins et du maquillage. Alors les petits accessoires, oui, c'est mignon, mais enfin moi, je n'achète pas ça pour ça, quoi. Donc franchement, je pense que l'année prochaine, je ne le rachèterai pas. Voilà. Et pour celui-là, nous avons un petit vernis. Je sais pas si vous le verrez bien. Un petit peu or aussi. Donc je pense qu'il est or. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver dans la journée. Bah parce que, en fait, aujourd'hui, enfin, mais ce que j'ai plusieurs heures à faire, mais c'est chez deux personnes différentes, en fait. Le matin, midi et le soir, c'est une même personne, et entre les deux, là, dans la matinée, c'est une autre personne. Et en fait, celle où il y a les trois prestations habite vraiment à côté de chez moi. J'ai quoi, 10 minutes à pied, et l'autre un petit peu plus loin. Mais je pense que je vais tout faire à pied aujourd'hui. Comme ça va me faire marcher, ça va faire du bien. Et puis ça évite de prendre la voiture quand on peut faire des petites distances comme ça. Sans voiture, c'est quand même mieux. Donc aujourd'hui, ça va être journée sans voiture, je pense. Même pour aller chez ma grand-mère, je pense que je vais y aller à pied. On verra ma motivation pour cet après-midi, mais bon. Je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas si vous allez trop voir, mais je longe un parc où je suis dans la rue, je filme normal. Il est juste trop beau ce parc, mais on voit pas grand-chose vu de l'extérieur. Mais si on fait tout le tour, il fait 1 km. Là-bas, il y a un taureau. Là, il y a un taureau. Voilà. Il y a un peu d'eau et tout, il y a des canards. Franchement, ouais, si on fait tout le tour, ça fait 1 km en tout. Avant, je courais là. Je faisais plein de fois le tour. J'espère que vous m'entendez bien avec les voitures. J'essaie de vous montrer un petit peu. Donc voilà. Bon là, c'est le matin, il fait froid quand même. Là, il y a un skatepark avec des bancs, tout ça. Voilà, j'adore ce parc. S'appelle le parc de Maurepas. Voilà. Donc là, je suis vraiment à la pointe du parc. Et voilà ce que ça donne. Bon, il y a des gens là-bas, mais il y a même des petits... Franchement, c'est super beau. Mais là, vu qu'il fait pas très... Enfin, qu'il fait pas très beau. Il fait froid, tout ça. Donc là, forcément,
Bah, on voit pas grand chose quoi, mais franchement, je compte pour les Rennais, je conseille ce parc, c'est vraiment très beau. Est-ce que vous le voyez, un petit écureuil? Pile, je passe et je le vois, il grimpe, il grimpe. Là, il est en train de me regarder. Je l'embête. Je sais pas si je vais pas. Je bouge, je suis désolée. Il est là. Vous le voyez là? On voit sa queue qui dépasse et ses oreilles et tout. Je suis désolée, je bouge, mais c'est pas facile. Voilà. Mon ami le écureuil. Je viens de rentrer. Il doit être. Oula, pardon. Il est 2h moins 10. Ma pizza est à chauffer. Donc j'attends. Je viens de changer mes draps parce que si vous avez suivi mon vlog d'hier et un petit peu avant, je suis allée voir le médecin hier qui m'a donné un traitement. Donc je l'ai pris à jeun ce matin. Du coup, il faut tout laver à 60. Donc je viens de changer mes draps. Mon oreiller est dans la machine actuellement. Donc à mon avis, pour ce soir, il ne sera pas sec. Mais bon, tant pis. Je me débrouillerai autrement. Sinon, oui, donc le parc que je vous ai montré juste avant la vidéo là. Enfin, juste avant le passage là. Avant l'écureuil même. C'était ça. Je suis allée me promener avec ma petite dame dedans. Donc on a fait le kilomètre, tout le tour. Et il y avait plein de personnes avec leur téléphone et tout. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Bref, j'ai fini ma prestation et quand j'allais pour aller à celle d'après, je vois une jeune fille avec son portable. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah c'est par rapport à l'application Pokémon, il y a un Pokémon rare. Ah d'accord. Bon bah très bien, tant mieux pour vous, hein, mais franchement, vous auriez vu le nombre de personnes avec leur téléphone et leur... Enfin, branché à leur batterie externe, là, ça m'a choqué. Tout ça pour un Pokémon, enfin bon. Chacun son petit jeu, hein. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai déjà marché 7 km 800, donc je pense que je vais bien passer les 10 km. Largement même, je vais peut-être être vers les 12. Je vous dirai ça ce soir, donc j'ai déjà pas mal marché. Sinon, Chiara était propre parce que j'ai fermé la cuisine, comme ça, il n'y a pas eu de soucis. Donc je suis en train de tester. Je suis un peu faim, je sais plus trop quoi faire avec elle, du coup. J'ai fermé la cuisine vu que c'est vraiment que là qu'elle fait et c'est par période donc je comprends pas. Je comprends pas mais bon du coup bah, elle a pas fait vu que c'était fermé donc très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc cet après-midi je vais chez ma grand-mère. Avant je vais manger un petit peu. Enfin voilà quoi. Oh la bouillabisou. Ma bouillabisou. Chiara? C'est quoi? T'as vu quoi? Oh là là! Qu'est-ce que t'as vu? Oui, c'était quoi? Oh, c'était Mimi qui arrive! Je sais pas si vous allez le voir. C'est qui là? C'est Mimi! C'est Mimi d'amour! Mimi? Mimi! Mimi? Oh le chat! Comment je me fais snobber? Mimi! Je me fais snobber. Je vous retrouve plus tard, il doit être presque 18h. Quelque chose comme ça. Je reviens de chez ma mamie. Car elle est en train de découvrir les suces. Enfin, une suce. Peut-être que je vous mettrai les images juste avant. C'est. Voilà. Bref, je reviens de chez ma grand-mère. On a réussi à enlever tout le. Le. Comment dire? Toute la moquette. Bon, ma grand-mère, c'est une bourrique parce qu'elle a voulu absolument me donner de l'argent. Parce que je suis venue l'aider. Parce que je viens chez elle tous les mercredis. Mamie, comment te dire que je ne fais pas ça pour ça? Mais bon, j'avais beau me fâcher en lui disant que je ne voulais pas son argent. Elle s'est fâchée en me disant, ma petite fille, tu prends et t'as pas le choix. Donc je veux pas me fâcher avec ma grand-mère, mais bon, du coup j'ai pris ces 20 euros. Tout ça pour de la moquette et parce que je viens le mercredi. Mais je fais ça avec bon cœur, vraiment mamie. Mais bon. Voilà, je crois que je suis arrivée à 11 km. 11 km passés même, et je n'ai pas encore fait mon intervention du soir. Donc voilà, effectivement, je pense que je vais ouais, presque être à 13 km.
pas loin. Donc voilà. Je vais regarder des petits vlogs avant de repartir au travail. Et voilà quoi. Faut se remotiver à repartir. Mais bon, c'est une dame adorable. Donc franchement, ça me dérange pas du tout. Vous allez rien voir parce que même moi je vois rien. Mais en fait, je passe dans un petit chemin et j'ai très peur du noir. Du coup, s'il vous plaît, tenez-moi compagnie. Franchement, on voit que les lumières du fond. Il y a des arbres tout le long. Il fait nuit et tout. C'est une horreur. Oh là là. Du coup, parlons, parlons. Je retourne travailler. Ah oui, par contre, vous faites le chemin avec moi, mais s'il vous plaît, faites le chemin retour parce que j'ai peur du noir. Franchement, je déteste ça, c'est une horreur. Ça va, c'est un petit chemin après. Après, il y a les lumières. Là là. Bon, donc il fait un petit peu froid quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, je vais chez une amie. Vous avez déjà vu, là il y a des lumières, je vais par là. Ah, j'ai failli tomber. Donc demain je vais chez une amie faire des trucs qui vous concernent quand même. Donc du coup je vous filmerai, enfin je vous filmerai, oui je vous filmerai demain comme tous les jours. Franchement je commence à prendre goût à filmer en fait, hein. J'adore maintenant vous filmer. Alors oui, mes vlogs ne sont pas très très intéressants, mais j'adore. Donc demain ce sera ça. Donc voilà, j'arrive au bout de mon chemin. Je vous reprends pour le retour, hein. Vous restez là, vous m'attendez, hein. À tout de suite. Bon, vous me voyez encore pour quelques minutes. Je viens enfin de terminer ma journée. Je suis enfin en week-end. Enfin, week-end, quand je dis week-end, c'est journée, quoi, c'est tout. Vous me suivez encore dans mon chemin tout noir, donc c'est pour le moment je vous montre mon visage, mais après vous ne le verrez plus. Donc j'ai ma journée demain, comme je vous ai dit, je vais chez Marie. Je ne sais pas si vous continuez encore à me voir beaucoup, donc je vais vous tourner pour voir le noir. Voilà. Du coup, ça va plus être. Vous allez plus m'entendre que voir quelque chose. Hein. Je suis vraiment désolée. Mais c'est un peu n'importe quoi d'ailleurs de filmer ça, mais bon. Du coup, je pensais à ça, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, donc je vous le dis maintenant. Le fait de tourner des vlogs, je pense que bah ça rapproche les gens en fait. Je sais pas comment vous dire. Je vous emmène un petit peu dans mon quotidien, même si je vous filme pas tout ce que je vis. Parce que bon, voilà, il y a quand même des choses privées. Mais de vous mettre avec moi dans mon quotidien, je sais pas, je trouve que ça rapproche. Vous allez plus me connaître, enfin. Parce que voir des vidéos c'est bien, mais vous savez pas en fait comment sont vraiment les personnes ni rien. Donc du coup le fait de passer du temps avec moi, enfin dites-moi si vous ressentez la même chose d'ailleurs ou s'il n'y a que moi qui ressens ça. Mais même quand je regarde des vlogs, j'ai l'impression de vivre avec la personne en fait. Et du coup, ben ça rapproche, enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On arrive au bout. Je déteste le noir. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant, mais ça m'embête de vous arrêter sur du noir en fait. Parce que bon, c'est pas très cool à voir en fait. Pendant 2 minutes, vous avez vu que du noir quoi. Merci Héloïse et tes vlogs. On arrive au bout, promis. Hop. Donc là, je ne suis plus dans le noir. Et je ne sais pas si vous me voyez parfaitement ou pas. J'arrive dans la rue, du coup. Franchement, je vais voir ce que ça donne ces visions-là, parce que je vous avouerai que bah, vous filmez du noir, ça m'embête un petit peu quand même. Mais bon, je voulais vous faire partager ma phobie du noir. Vous voyez? Donc voilà, je vais arrêter le vlog maintenant. Donc je vous retrouve demain, je vous fais des gros bisous. Bye bye!